Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur Only Up de Maxo sur Google Tag. Fait que on va direct commencer maintenant. Fait que en même temps que je monte sur la statue, n'hésitez pas à aller vite un beau petit pouce bleu et de vous subscribe à ma chaîne qui est SVR 321 sinon, mais c'est plus SVR. Mais je te dis, il y a beaucoup de vidéos de Only Up dessus. Une vidéo que je tryhard dans la forêt avec une musique funk. Fait que vous allez pouvoir les voir toutes. Je vais continuer à faire des vidéos Gorilla Tag parce que je commence à le faire. Sinon, il y a d'autres vidéos que je fais avec mon ami IsGod. Fait qu'il faut aller sur sa chaîne. Pour trouver vraiment sa chaîne, c'est IsGod 1, 2, 3, 4. Si vous écrivez ça, vous allez trouver direct sa chaîne. Puis aussi, je vais le demander d'aller commenter sur une de mes vidéos. Comme ça, vous allez juste aller dans les commentaires. Et vous allez voir la chaîne. Comme ça, vous pourriez direct aller vous subscribe à sa chaîne. Ou juste aller voir ses vidéos. C'est un de mes meilleurs amis pour jouer à Gorilla Tag. Fait que je vous aurais dit d'aller vous subscribe à sa chaîne. Fait des très bonnes vidéos. Fait que moi, j'ai continué à monter. Petit truc, moi, je vous dis de pas monter les rushs parce que ça sert pas mal à rien. Parce que déjà, juste en montant ici, c'est beaucoup plus rapide. Fait que t'arrives, tu rushes ici, là, tu cours, t'esquives la petite branche, tu pars sur les arbres, tu cours, tu jump. C'est parfait, c'est super rapide. Fait que moi je vous aurais dit de passer tout le temps par là au lieu de passer par les rushs pour deux raisons. De une, c'est plus rapide, et de deux, tu peux prendre ce shortcut là qui est beaucoup mieux pour direct monter là. Mais moi je le trouve beaucoup trop difficile, fait que je passe direct par là. Ici, il y a Maxo qui, je pense, qui est enragé. Parce que là, il a pas l'air d'être content, il est tout rouge. Avec les yeux rouges. Fait que. C'est ça. Moi, je vais continuer à monter. Ça, c'est un genre de petit pocket. Je sais pas s'il y a le son, attends. Ah non, il y a pas le son. Parce que d'habitude, ça, c'est un très bon son qu'il fait, là. Mais tous les objets ici, ça fait le bruit d'une roche. Ça fait un bruit d'une roche? Ben oui. Même la 17 fait le bruit d'une roche. Ici, moi. En vrai, je trouve pas ça si dur que ça. Fait que je fais juste marcher. Et j'ai quand même failli tomber, même si j'ai dit que c'était pas si dur. Mais ça va, pas si pire. Ici, on ramasse les petits ballons. Plein de petits ballons. Yeah! Couleur jaune! Ouh! On va continuer ce petit chemin-là. Ça va. Vous pouvez prendre des petits shortcuts comme ça, là. Fait que ça va beaucoup plus rapide. Sur les cordes. Après, là, ici, c'est juste grimper, là. Fait que c'est pas si dur. Ça va juste un peu vous essouffler. Moi, je m'essouffle beaucoup plus parce que je dois parler en même temps de monter. Je peux pas vraiment prendre ma respiration en train de faire ça. Vas-y. Je vais remonter ça. Oui. J'ai cru que ça allait être chez Maxo, là. Vas-y. Je vais arrêter de prendre des shortcuts, là, parce que là, j'ai tout le temps tombé rendu là. Nuage, petit nuage, et la glissade. Ici, il faut passer par en haut, parce que sinon, c'est la mort. Fait que préparez-vous pour monter. Ici, je le déteste, ce moment-là. Parce que ça, là,
c'est super compliqué parce que t'es obligé de marcher comme ça, parce que si tu tiens juste, tu vas trop glisser, puis tu vas tomber direct. Moi, je prends les chemins les plus rapides. Fait que ça. Je pense que je vais préférer lui. Même s'il a l'air de plus compliqué. Oui. Ouf. J'aime pas trop ça. Oh non. Ok, parfait. Ici, ça glisse sur Maxo. Fait que faut faire très attention. Je sais pas si vous savez, mais ici, vous pouvez avoir un gros shortcut. Vous faites ça. Et vous sautez direct sur ce fil. Et vous êtes direct ici, autonome. Super easy. Fait que je vous redis de prendre toujours ce petit shortcut. Parce que ça se fait pas. Ça prend beaucoup moins de temps là, de le faire. Ici, je vais prendre le moins de risques possible. J'allais plus haut possible. Bam. Bam. Ici, je pense pas que je vais l'aimer. Ce petit chemin là. Let's go! Encore le bruit de la terre. Faille tomber vite là. Ça, allez pas là-dessus parce que je pense qu'on passe à travers. Avant là, ça se terminait direct ici. Le parcours là, mais je sais pas si ça va continuer plus loin ou non. Est-ce que c'est la fin? Oh! J'ai fini la première étape, mais on peut aller encore plus haut. Fait qu'encore plus loin. Fait que de un, ça, c'était où que ça allait au tout début. Fait qu'on pouvait monter jusqu'ici. Et maintenant, on peut aller beaucoup plus haut. Je sais pas si lui il glisse. Ouais, il glisse. Fait qu'on va faire assez attention à chaque petit saut qu'on doit faire. Mais en vrai, ça devrait être correct pour toutes les gems. Parce que c'est quand même assez facile. Bonus stage Halloween. Fait que ça va assez loin. Bon. Ok. Assez facile. En vrai, c'est quand même easy pour nous maintenant, là, parce que il n'y a pas de petits blocs ou des affaires glissants. Quand il n'y a pas de petits blocs ou des choses glissantes, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est un petit cosmétique qu'on peut avoir. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Ben, c'est un œil, là, mais je sais pas de où que ça vient. Ça vient de la nouvelle map hantée. Ça aussi. Bon, ça va commencer à être plus compliqué. Oh non. Ça se peut que je tombe ici, les gens. Bon, ben, ça va être la fin pour cette vidéo. Fait que n'hésitez pas à aller vous subscribe à ma chaîne. Et mettez votre plus beau like sur cette vidéo. Fait que je vous dis à la prochaine. Et bye bye!